Artyom, on a inspecté les environs. La porte principale est gardée par une équipe réduite. Tu peux pas entrer par la porte. Il faut passer par la prison au sous-sol où les Moonai Bailer enferment les esclaves. Ouais, bref, voilà le plan. Yul et moi, on va essayer d'éliminer leurs gardes discrètement et d'entrer par la porte. Si ça tourne mal, au moins, on détournera leur attention, pendant que tu entreras par le sous-sol. Allons-y, on va t'accompagner. Reste pas à la traîne. J'ai une faveur pour toi. Si possible, tue pas les esclaves. Ils sont pas... Ils obéissent juste au Moonai Bailer, au baron. Ils ont peur, c'est tout. Yul a raison à propos des indigènes. Stop. Par ici. C'est juste des gosses à qui on a fait subir un lavage de cerveau. On devrait faire preuve de clémence envers eux. Par cette grille? Bien, allons-y. Bon, je vais la soulever pour que tu entres. Parfait. On se retrouve là-haut. On y va, Damien. Pas utile. Personne n'y allait, personne assez bête. Rester ici toute la journée. Utile, Zoc. Tu le vois aller chasser, trouver un imbécile, en faire un esclave. Plus utile comme ça. Pourquoi t'as dit que t'as bien fait? T'as raison, complètement. Absolument raison. Plus vite, toi! Travaille! Ou tu finiras comme chien! Oh, je comprends. Mais pas pitié des chiens! Il faut savoir quoi faire! Alors il torturait le chien et rire! Bouffé par les autres chiens! Chien meilleur que Mirza! Mirza, pire qu'un chien! Oh, chien! C'est la pas le Mirza! Toi, cette saloperie!
Très bien. Bientôt. Bien. Oh, super. Je suis inquiété pour rien. J'ai une bonne nouvelle. Regarde, la citerne est pleine. Pile ce qu'il nous fallait. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. La porte est verrouillée et on peut rien faire. Colonel, ici Damir. On a sécurisé la citerne, mais on a un petit problème avec la porte. Entendu. Alors on passe au plan B. Agissez en conséquence. Tu vois, la porte est reliée au sommet de la tour par ce câble. Mais comment on peut grimper là-haut? Oh, c'est une véritable forteresse. Messieurs, vous ne songez tout de même pas à attaquer ma forteresse? J'admire votre courage, mais c'est du gâchis de risquer vos vies de la sorte. Lequel de vous deux commande? Monte me voir, faut qu'on discute. Écoute un peu cet enfoiré. Il fait volte-face. Il sent que toute son organisation va tomber à cause de nous. Baisse ton arme et monte. Autrement, ça pourrait tourner au massacre pour rien.